Camille Serre incarne un nouveau numéro des parcs d'attractions préférés des Français, le magazine diffusé sur Gulli. Pour l'occasion, Télé Loisirs a interrogé l'ancienne Miss qui attend son premier enfant. Camille Serre revient à la télévision dans la peau de l'animatrice. Régulièrement cantonnée à un rôle d'invité dans les émissions d'Arthur, Vendredi Tout est Permis, Mesmé, Le Record du Monde, District Z, l'ancienne Miss France reste toutefois une incarnante principale sur certains programmes. Ce mercredi 10 mai 2023, CISTL qui est à la présentation, comme depuis 2022, du magazine Les Parcs d'attractions préférés des Français, diffusé sur Gulli dès 21h10. Mais alors qu'elle vient d'annoncer sa grossesse, l'ancienne reine de beauté a fait quelques confidences à Télé Loisirs. Camille Serre, animatrice des parcs d'attractions préférés des Français sur Gulli, j'adore parler aux enfants Télé Loisirs, qu'est-ce qui vous anime dans le fait d'animer ce magazine? Camille Serre, j'adore que l'on parle de vrais sujets. Nous faisons des reportages où nous apprenons des choses tout en restant très légers et en parlant à la famille. Ça me plaît de toucher un public familial avec des reportages légers. Personnellement, j'ai toujours aimé les parcs d'attractions et voir l'envers du décor. À chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. C'est pour ça que j'adore incarner ce programme sur Gulli. Qu'est-ce qui vous plaît sur Gulli? Ça me fait plaisir de faire découvrir cette chaîne aux adultes. Les gens qui me connaissent viennent pour des raisons diverses et variées. Je trouve ça cool de montrer à ma communauté que Gulli évolue et propose des programmes différents. J'adore aussi parler aux enfants. Avec mes autres casquettes, dont l'influence, je ne les touche pas. Quel est votre rapport avec les parcs d'attractions? Depuis que je suis petite, j'aime les parcs d'attractions. Quand j'ai été élue Miss France, mon premier shooting et ma première nuit de Miss, je les ai passés à Disneyland Paris. J'ai un rapport un peu particulier avec Disney, j'essaie d'y aller tous les ans. Ça m'a toujours fait rêver et en plus, ils m'ont très bien accueilli après mon élection. Camille Serre enceinte de son premier enfant avec Théo Fleury, j'aimerais allaiter donc ça va compliquer les déplacements, c'est important pour vous d'incarner des émissions familiales et bienveillantes? La télé doit être un plaisir. Je n'ai pas envie de me retrouver dans les polémiques. J'aime quand c'est léger et où on s'amuse. C'est pour ça que je fais des bêtisiers et que j'ai commencé sur Siestar. Je parle toujours de choses légères, même dans mes chroniques réseaux sociaux sur Fun Radio. J'essaie toujours d'apporter de la bonne humeur. Vous avez annoncé votre grossesse sur les réseaux sociaux il y a peu. Par superstition, je ne voulais pas le dire trop tôt pour ne pas avoir à annoncer un problème si ça avait été le cas. Avec mon conjoint, Théo Fleury, note de la rédaction, on n'avait pas prévu d'avoir un enfant tout de suite. C'était une sorte de surprise. On voulait surtout prendre le temps de digérer l'information et de ne pas avoir l'avis de tout le monde tout de suite. Avec les réseaux et la médiatisation, nous recevons plein de conseils de plein de monde et des avis qu'on ne veut pas forcément. Nous étions dans notre bulle donc on a eu le temps de savoir où nous voulions aller. Là, je me sentais prête et j'en avais marre d'avoir ce secret. Camille Serre se confie sur sa grossesse inattendue, cet enfant, c'était une sorte de surprise. Allez-vous exposer cet enfant? Je me pose la question. D'un côté, quand on cache les choses, on ne maîtrise plus ce qui sort. En plus, j'ai envie de partager tout ça avec ma communauté.
Je ne sais pas si je partagerai beaucoup de photos de son visage tout de suite, mais je pense que je partagerai une partie de notre quotidien pour les mamans qui me suivent. Enfin, nous verrons quand le bébé sera là. Allez-vous faire une pause dans votre carrière ? Je pense que les premiers mois seront compliqués, surtout que si je peux, j'aimerais allaiter donc ça va compliquer les déplacements. On verra si tout se passe bien déjà. J'essaie de ne pas trop me mettre la pression en me disant que je vis un moment privilégié et que si j'ai un peu moins de travail à ce moment-là, les gens ne m'oublieront pas et que je pourrai reprendre quand je serai prête. À lire aussi Camille Serre accusée de mettre en danger son futur bébé, elle réagit de façon implacable. I think you got